Salut tout le monde, c'est Megafantos, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle vidéo sur Black Ops 3 pour une vidéo un peu thématique aujourd'hui, le sniper fou. Plus précisément, qu'est-ce que je vais faire du coup dans cette vidéo en live commentary? Tout simplement jouer au sniper, voilà, vu que voilà les fusils de précision sur ce jeu sont un peu différents suite à quelques modifications par rapport aux autres Call of, donc j'ai décidé voilà de vous faire une petite game aujourd'hui, plusieurs games sûrement, même au fusil de précision pour montrer ce qui est différent. Et en plus je vous avais jamais, je crois, proposé depuis la sortie de jeu de game au snipe, donc je pense que c'est le moment le plus adapté. Alors du coup on va prendre le Locus pour faire cela, vu que bah, le SVG je l'ai pas débloqué, et peut-être qu'on fera une game également au P06 parce que j'ai pas encore beaucoup joué, pour voir voilà ce que ça donne. Donc je vais me faire une classe avec Locus vu que je l'ai monté récemment en or, mais après j'avais supprimé parce que voilà, j'en avais assez joué avec hein. Là pour l'instant c'est la deuxième arme avec laquelle j'ai le plus de kills, j'ai vraiment énormément joué au Locus pour le monter. Mais à bout d'un moment ça suffit quoi, ça suffit. Bon, du coup au niveau du camo, vous voyez déjà que j'ai le camo de transgression, qui est je crois que mon seul camo, non, si, non c'est pas mon seul camo légendaire. Épique plutôt, j'en ai deux de camo épique, mais voilà, c'est l'un des deux camo épiques que j'ai, transgression, et j'ai un autre, sinon c'est monochrome je crois, sur le dracon. Donc oui, c'est que sur les snipers que j'ai des camos épiques, moi, je sais pas pourquoi, et j'ai pas mal de camos d'ailleurs, hein, sur le locus, vous voyez, il y a le choix, il y a le choix. Donc on va être transgression. Au niveau des accessoires, vu que je suis niveau max, prestige 1, level max du coup sur le locus, je vais mettre déjà un petit processeur balistique. Second accessoire, bah tir rapide, hein, c'est indispensable, en tout cas pour moi. Et troisième accessoire, peut-être. Bah déjà, main leste là, parce que sinon ça va pas le faire. Je sais pas, un troisième accessoire, peut-être. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Cross, non, changement grande cape, non. Bon, je pense que c'est bon comme ça, hein, processeur balistique, tir rapide. C'est une bonne classe. Empreinte, ouais, je vais garder main leste aussi. Bah, je pense qu'on est bien là comme ça. Par peut-être changer. Peut mettre isolement. Non. Non, ça vaut pas le coup isolement. Ouais, on va garder une classe comme ça, voilà. Mettre une secondaire aussi. Bah MR6. Hein. Quoique peut-être RK5. Je sais pas. J'hésite. Et ouais, je fais ma classe comme ça en live tranquille. Bon, allez, on va mettre un petit MR6. Non, on va mettre un RK5 parce que RK5 c'est mieux. c'est mieux le RK5. Hop, ouais, comme ça. Comme ça, comme ça, même si j'ai peut-être d'autres camouflages dessus. Non, on va garder en, en infernal, c'est pas mal. Et ben, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, ouais. Je sais pas trop. Ou alors je mets un atout supplémentaire, ça je peux faire aussi, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On examine hein, les trucs avant de commencer la game tranquillement. Gilet pare-balles, non. Sur canonçage, non. Invisible non plus. On a tout 3. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bien? Fonceur? Fonceur, non. Non. Écoute. Ah, écoute, on peut, ouais. Allez, un petit écoute, peut-être. Je sais même pas, en fait, finalement. J'hésite. Non, on va mettre un troisième accessoire. Ah, j'arrive pas à me décider, c'est horrible aujourd'hui. Le vraiment l'indécision la plus totale quoi. Et je vais mettre du coup chargeur grande cap, balle blindée ou chargeur rapide. Allez, balle blindée. Hop, ok, on est bon du coup. On a la classe Holocus. Je vais pas la renommer vu que je remettrai l'Argus après en off. Et du coup, on va lancer du. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va lancer comme mode? Alors on va commencer tranquillement avec la MME vu que j'ai pas joué. C'est ma première game donc vaut mieux pas faire des conneries non plus. On va lancer la MME tranquille au snipe. J'espère que ça va donner un bon truc. Pourquoi je l'ai pas mis en or d'ailleurs? Moi je le mets en transgression, ouais, mais je pourrais le mettre en or. Oh, je le mettrai après en or. Ouais, je le mettrai après en or. Ok, bon, du coup, du stronghold, bah ça peut être pas mal, ouais, du stronghold au snipe. Même très bien. Parce que vraiment, ouais, le snipe en général sur ce jeu c'est très très compliqué, mais juste à cause d'un seul paramètre, hein, parce que sinon c'est assez facile, c'est juste parce qu'en fait on n'a pas d'aide à la visée sur le sniper en général. Je vais vous expliquer ça assez rapidement, même si je sais que ça a été vraiment expliqué dans nombreuses vidéos, mais je le fais pour moi-même, voilà, parce que c'est correct je trouve. Bah l'aide à la visée finalement, voilà. Du coup, vu que si t'as pas d'aide à la visée,
Ton viseur va pas en fait se rapprocher de ton ennemi, de l'ennemi quoi finalement, parce que quand t'as l'aide à la visée, vraiment t'as le viseur qui va quand même t'aider, qui va se diriger à peu près sur l'ennemi. Donc par exemple quand tu vas faire un quickscope et que t'es un peu à côté, ça va quand même t'ajuster vers l'ennemi et tu le tueras. Là du coup c'est pas le cas, si vraiment t'es à côté, même à 1 mm hein, du mec, la balle ne rentrera pas, il n'y a pas d'aide à viser, donc forcément ça ne rentre pas. Et ça du coup c'est très très dur parce que faut être très très précis lorsque tu tires. Tout ce qui est dragscope, c'est-à-dire viser rapidement puis décaler vers la gauche et la droite pour tomber sur l'ennemi, c'est pas possible vu que t'as pas l'aide à viser. C'était seulement une technique voilà qui était possible quand t'avais l'aide à viser, le dragscope. Donc c'est très très gênant, surtout moi vraiment, je le pratiquais énormément le dragscope sur les anciens Call of. Du coup, ne plus l'avoir, c'est assez compliqué. Donc vraiment, voilà, gérer le snipe en général sur ce jeu, c'est pas facile. Des fois, tu peux faire de très bonnes games, ça, hein, certes, mais des fois, tu peux faire aussi des games de merde. J'espère que je vais pas faire une game de merde là, d'ailleurs. Et c'est parti, du coup, Locus, balle blindée, tir rapide et processeur balistique. Voilà, avec le petit camo transgression. Au niveau du spécialiste, vous avez vu que j'ai pris trop prophète avec. Je sais plus, c'est quoi déjà l'arme? Je ne sais plus. Hop, prends ça toi. Headshot! Allez! Hop! Faut pas non plus trop chercher à rusher les ennemis hein, quand tu joues au snipe. Parce que tu vas te faire vite doser. Vu que les quicks sont très très difficiles à rentrer, vu que t'as pas l'aide à viser, tout ça vraiment c'est relié et. Ça t'aide pas quoi, ça t'aide pas. Hop! Pour l'instant ça va, c'est pas mal. Cette petite partie. Voilà, vous voyez, ça passe pas. Eh non, t'es pas dessus, tant pis. Tant pis, tant pis, t'as pas le kill. Ok. Stronghold, c'est vraiment une bonne map pour jouer au snipe. Hein. Là, on est bien tombé de toute façon. Ah, c'est pas pour ça que je vais faire une game de taré. Hein. Bon, là, j'ai assuré le kill. Et là, je me suis fait défoncer. Heureusement qu'il est AFK, là. Hein. Il s'est cru en jeu d'armes ou quoi? Malgré que le truc a été patché, de toute façon, au jeu d'armes, donc il n'y a même pas de quoi se prendre pour un mec qui va gagner plein de crypto-keys juste parce qu'il reste en AFK. Parce qu'il croit qu'il est en jeu d'armes aussi, non, normalement, c'est pas possible. Hop, ça c'est rentré par contre, le petit quick là. Il est bien passé, mais il faut être précis quand même. Hein. Ok. Donc ça va, hein, j'ai pas vraiment un niveau de merde non plus au snipe, mais je sens que c'est quand même beaucoup plus difficile que sur les anciens Call of quoi. Mais après la pratique aide, hein, ça c'est sûr, parce qu'au début j'arrivais pas du tout, et justement en montant le locus en or, ça m'a aidé quand même un peu à peaufiner mon niveau, à l'améliorer. Et maintenant bah j'arrive quand même à killer un minimum de personnes, un minimum de joueurs quoi, tu vois. C'est le minimum requis de toute façon. Et je crois qu'il y a l'AFK. Non, il est pas AFK vu que ça a bougé. Dommage. J'aurais bien aimé avoir un kill gratis. C'est pas grave, on va y aller hein, à l'attaque. Oh, il est en bas. Merci mon petit sixième sens là de m'aider. Il est où putain? Ouh, ce que je lui ai mis. Ouais, t'es violente celle-là par contre. Hein. Je vous avouerai que c'était assez aléatoire. Je pensais pas que j'allais le tuer, mais je l'ai eu donc tant mieux. Moi je vais pas m'en plaindre hein, personnellement. Lui par contre je leur scope. Hop là. Vaut mieux assurer le kill des fois. Hein. Même si ça peut paraître noob comme ça de d'essayer de pré-shoot en visant. Non. Il faut le faire. Hein. T'es au snipe. T'as forcément un désavantage par rapport à d'autres personnes qui joueront la mitraillette. Ou au fusil d'assaut. Donc voilà. Faut mettre toutes les chances de son côté. Bah, je me débrouille vraiment bien pour une première partie là. Hein. Sans me jeter trop de fleurs non plus. C'est pas mal. Ah, j'ai pas eu le temps de charger. Et finalement, je meurs quand j'ai tempête quoi dans les mains. Mais pas quand j'ai le locus. C'est révélateur que je suis un très bon joueur. Tu sais le truc. Je jette pas trop de fleurs lui non plus. Hein. Pas trop prétentieux, ça va. Je pense qu'après, je jouerai en dernier rempart. Parce que dernier rempart, vraiment, c'est un super mode pour jouer au snipe. Même, c'est mon mode préféré hein, pour l'instant sur ce Black Ops 3. J'adore le dernier rempart. Encore plus que la mêlée générale. Donc, ouais. Après, je pense que je me ferai un petit dernier rempart. Au locus encore, et on finira sûrement après par une game au P06, voilà. Petit 3 games au sniper fou. Ce sera pas mal. Bon là par contre lui je l'ai vu avec sa. Avec sa machine de mort. Putain! Oh le hitmarker.
Ça aussi, ce qui est chiant, Locust, tu te tapes énormément d'hitmarker. Si vraiment tu tires pas dans le haut du corps, c'est mort. C'est hitmarker. Tu cherches pas à comprendre, tu cherches pas à rager, forcément il y aura hitmarker. Ok, putain, il m'a flash. Mais je suis au snipe, putain! Qui c'est assez salaud pour flash des snipers, quoi? Mec, je représente pas un énorme danger pour toi non plus, hein. Toi, reviens là par contre. Ok. Au revoir. Ah, je déteste les gens qui flashent vraiment sur ce jeu. C'est horrible! C'est ma hantise. Par contre, ils sont un peu mauvais en face, vu que 62 à 39, là, 63 même maintenant. C'est un peu la démolition pure et simple. Allez, viens dans le viseur, toi. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Putain, ils sont là, mais ils bougent pas. Enfin, pas comme je le voudrais, en tout cas. Et là, vous voyez, je l'ai raté. J'arrive pas à l'ajuster là, c'est mort. Je me casse. Adios. Ok, bah il passait pas en bas. Par contre, j'arrive pas à faire de kill hein, sur cette game. Hein. Malgré que c'est pas mal sinon. Hop, prends ça toi. Oh, derrière. Derrière, derrière. Je sais pas si je suis le seul au snipe, mais je me fais souvent démolir avec. Oh putain, la kill cam. Non, j'aurais pu l'avoir. 10-6. J'ai pas fait beaucoup de kills hein. C'est un peu mou au niveau de cela. C'est pour ça qu'en dernier rempart, normalement, il y aura beaucoup plus d'action quand même. Mais bon, c'était la petite game des shows, ça, pour bien se mettre. Et là, on va passer du coup aux choses sérieuses, je pense. Et en plus, du coup, normalement, là, je vais avoir assez pour ouvrir un petit ravitaillement en live, voilà, comme ça. Vous allez voir si j'ai de la chance ou pas. Bon, pour l'instant, c'est assez mitigé. Hein. Un peu de chance des fois, mais pas beaucoup non plus. Hein. Surtout le truc chiant là que j'ai pour l'instant les largages au niveau des provocations. J'ai que des provocations sur les spécialistes que j'utilise jamais. Seraph, bon, là du coup j'utilise comme prophète, mais j'en avais plein sur prophète alors que j'utilisais pas. Moi je veux principalement sur Outrider et Firebreak, quoi. C'est les deux spécialistes que j'adore, mais non, j'ai aucune provocation sur ces spécialistes, comme par hasard, hein, pourquoi? Pourquoi pas, hein? Bon, du coup. Et là, tu sais, il me donne même pas assez pour avoir ma clé de cryptage. Non, j'étais à la fin de ma barre au niveau des 9 clés de cryptage, donc forcément que c'est bon. Ouais, voilà. J'en ai sûrement peut-être 11 même. Ouais, 11, voilà. Peut-être 12? Ah non, quand même pas, faut pas exagérer. Ok, bon, quitter le salon, du coup. Allez, marché noir, espérons avoir un bon truc en live. Pourquoi pas un camo épique? Oh, il y a un épique à la fin, peut-être. Allez, épique! Oh, putain, dommage! Oh... je sais pas si j'avais déjà les camos sur ces armes, peut-être, peut-être pas. Par contre, je l'avais pas la carte de visite, ça c'est sûr. Nouvelle carte de visite du coup. Hop, on va aller voir ça. Ah oui, mais ça non. Ok, bon, j'avais pas. J'ai quand même pas mal de cartes de visite, je trouve. Hein. Pour le niveau où je suis, j'en ai pas mal. Du coup là, ça fait 15 sur 41. Hop, elle est pas mal hein, avec les petites voitures, l'accident. Gros accident. Ok, ok, du coup, je vais mettre cette fois le locus en or. Et on va pouvoir se jeter en dernier rempart. C'est la première fois d'ailleurs que je vais jouer au locus en or là. Parce que, en fait, je l'ai monté en or, après, j'ai pas du tout joué avec. Même si je l'ai eu en or hier, donc c'est très récent. Hein. Hop, allez, dernier rempart. Juste avant, on a un truc. Hop, j'ai oublié de faire un truc. Ok, c'est bon, cette fois-ci. On va lancer, juste du coup spécialiste. Je sais pas. Je sais pas si je change. Ou alors si je garde justement prophète. Bon, allez, je vais garder prophète. C'est ainsi. Dernier rempart pour de bon. Pour le bon, pour le bon. J'ai bien toujours... Ouais, c'est bon, locus. Je l'ai mis en or. Hein. Mais il se souvient plus. Ah, c'est bon, j'ai en or, c'est bon. Tout va bien. Ce serait bien qu'on tombe sur une bonne map comme infection. Si on tombe sur infection en dernier rempart, c'est... Al dente, aïe aïe aïe. Sérieusement, ce serait parfait. Ouais, ce serait parfait aussi de trouver au moins une game, parce que pour l'instant, c'est pas trop ça. Ok, putain, partie déjà commencée. Je préviens, si vraiment... Oh non, c'est infection en plus, il est vraiment bien commencé. Même si c'est infection, je quitte. Mais c'est la bonne map, là, ça va être parfaite, mais voilà quoi.
Si déjà commencé, il n'y a pas trop d'intérêt. Si on est encore la première manche, ça peut aller. Ou alors si on est vraiment à la fin, autant rester comme ça. On commence direct après et on pourra revoter pour infection en plus. Ça peut être le côté positif, ça. Bon. Alors, on en est où? Ah, parfait, ça vient de commencer. Infection, ça vient de commencer. On n'a pas mieux là. On est bien. Toi déjà, je t'ai vu. Hop, merci. J'adore vraiment, je crois que c'est la meilleure map en dernier rempart justement. Putain lui, waouh, avec la Pharo il m'a... Pharo silencieux de rafale quoi, waouh. Ouais. Ok, je croyais qu'elle avait été patchée moi la Pharo en dernière nouvelle. C'est pour me mettre 2 balles. Merci. En tout cas ça passe bien le locus comme ça avec le camo or. Y a pas un deuxième, non? Hop. Ouais, ça passe vraiment bien avec le camor. Ça donne un beau truc. Après, ça doit être encore mieux en diamant. Ah ouais, on a perdu. Ok, je me suis même pas rendu compte. On a déjà perdu. Super. Et ils ont... Oh putain, les niveaux en face, j'avais pas vu, mais... Putain, ils sont mauvais, quoi. Et comment on se fait défoncer, nous? Bon, on va falloir être un peu plus sérieux, la seconde manche. Parce que si une partie du dernier rempart qui dure 5 minutes, c'est pas top, hein. Moi j'étais venu là pour faire plein de kills, voilà. Mais là, non. Ça risque pas de se passer comme ça et ça continue. Allez, on est reparti. Je vais les attendre ici un peu s'il y a quelqu'un. S'il y a personne, hein, tant pis. A pas l'air de vouloir, non. Ok, il y a personne. J'en déduis qu'il n'y a personne. Oh, je l'ai raté, putain. Vous voyez, il faut vraiment être dessus, hein. Je le répète encore, je le répète. Mais si t'es pas dessus, c'est mort. C'est mort. L'aide avisée pourra pas t'aider. Il n'y en a pas. Forcément. Putain, ils sont passés où là? Raté. En plus, j'ai l'impression qu'il se téléporte à moitié là. Bon, il est mort. Il nous posera pas de problème à se téléporter. On va passer par là. Essayer de faire quand même un peu de kill. Parce que là, pour l'instant, c'est mou du genou. C'est mou du genou complètement. Où vous êtes les ennemis? J'en suis sûr qu'ils sont tous dans le bâtiment là. Si je vais en trouver, si je vais là-bas, c'est bon. Putain! Là encore, un chouïa pas dessus. Eh ben non, c'est pas bon. Oh putain, t'es sérieux? Oh là, par contre, je pensais lui mettre la tête quand j'avais fait le jump shot. Même pas. C'est catastrophique cette partie. C'est catastrophique. Surtout que je trouve personne, ils sont où les ennemis là? Sérieux, vous êtes où? Vous me faites chier. Putain, il est où lui? Il est passé où? Ah, je suis paumé! Je sais pas, il a sauté, il est mort, je sais pas. Oh la collate est pas passée là par contre, hein. C'était violent. Hop, prends ça. Ah, faut pas. Oh là là, les flashs. Abusé. Ah, c'est bon, on devrait le mettre là, mais bon. Oh, elle est un peu nulle cette partie, hein. Enfin, rien du tout. Je trouve pas les ennemis. Y a rien à faire. C'était même mieux en MME, même si en MME non plus, il y avait pas de kill. Il y avait pas de kill, quoi. Ah, c'est désastreux tout ça. Fait même pas 5 minutes, je suis sûr que j'ai commencé à game quoi. Ça va vite, ça va tellement vite. Bon, allez, c'est le moment de se rattraper. Prolongation, prolongation en 2 manches, du coup, en dernier rempart. Il y a moyen peut-être de se faire quelque chose quand même. T'es sérieux? Hop, et de 1, et l'autre, je sais pas où il est.
Il va m'avoir. Oh non, putain, il me l'a piqué. Oh, mais il me le pique tout. Bah, ils veulent pas mes kills. Oh putain! Eh mais vraiment, voilà, vous voyez, vous jouez au sniper, vous êtes vachement désavantagé par rapport aux autres armes, quoi. Surtout, vraiment, la chose à préciser, c'est oui, t'as pas d'aide à viser sur les snipers, mais t'en as vraiment sur toutes les autres armes, quoi. Je trouve ça un peu dégueulasse, déjà que c'est pas facile tous les jours comme ça, jouer au sniper tranquillement, bah voilà. En plus, t'as ça, la contrainte de l'aide à viser inexistante. Putain, mais. Eh mais lui avec sa farouille, il met de ses one quoi. Soit c'est sa co, soit c'est l'arme qui est toujours aussi cheat. C'est trop chaud le snipe. À part de toute façon quelques parties, j'ai pas réussi à faire vraiment des parties extraordinaires en snipe. Hein. Et en même temps voilà, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est compliqué. Vas-y, je vais les prendre là par derrière. Hop. Hop. Hé hé, ça gère par contre. Personne ici? Normalement, ils spawnent là de toute façon. Ok. Je me casse. Me casse en plein de leur spawn, je suis pas mort, ça relève presque de l'expo quoi. Ok. Personne ici. On se concentre un peu plus quand même. Un peu plus de concentration, ok. Toi t'es mort. Deux chez mort, deux chez mort. Qu'est-ce qu'il fout lui? Il est à l'argus, j'ai l'impression. Il essaye de des long shots ou ça se passe comment? Je m'entends tirer plein de fois. Hop, on va retourner dans leur spawn pour voir. S'il n'y a pas El Mando at spawn. Hop, on les contourne toujours parce que j'adore contourner les ennemis, moi. C'est ma passion. La bonne grosse passion. Comme les fruits de la passion. Et oui, logique. Donc je sais qu'il y a un mec en haut, là, mais on va pas y aller tout de suite. Voilà, comme ça. Et il est parti, salaud. Je rate tout, c'est bon. Oh putain, t'es sérieux? What? La seconde flèche, elle était pas dessus là. Abusé, abusé, abusé. Je suis un peu deg là, j'avoue. Je pensais pas qu'il allait me tuer quoi. Ah, mais il tirait sur le robot depuis tout à l'heure. Bah, je vais l'aider. Pourquoi pas? On va aider. Voilà. Ça c'est détruit. Un peu mieux quand même cette prolongation là. Hop là. Beaucoup mieux même. Beaucoup mieux. Ça rattrape tout le reste. Oh non. Ok. Je sais pas ce que j'ai eu comme défi. Je crois que c'était avec Kirapide. Hop. Et on les enchaîne bien là. Je suis un peu en position camp, je vous avouerai là à ma maison au top. Et je suis au snipe moi, hein. Oh, un peu de calme. Ça va le faire là, on va gagner. Hop, ok. On n'a plus qu'à mettre là à la seconde manche le robot et c'est bon. La victoire est à nous. Ah
Ah, par contre, là, il a utilisé son spécialiste à la fin comme un con. Oh, ouais. Il aurait pas dû. Allez. Là, si on met le robot, c'est gagné. Si on le met pas, il y a égalité. Mais au final, on peut pas perdre. C'est déjà ça, tu vois. C'est le côté un peu réconfortant de la chose. Et en plus, là, je vais avoir mon spécialiste dans très peu de temps. Et mon drone aussi, il serait bien que je fasse un kill du coup. Encore ici, là, au pré-shoot. Si un mec au pré-shoot, je l'aligne, hop. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est 50 kills, 50 points le kill, donc j'aurais pas assez dans tous les cas. Un peu dommage, ça. Voir au top s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et je le rate, lamentablement. Oh non, putain, dégoûté, il m'a rescopé comme un porc, j'en suis sûr. Un peu deg. Je vais me venger. S'il est là, ouais, il est là. Oh putain. Non, il me l'a piqué. Allez, on y va, on les rush. Si j'ai moyen de les spawn kill avec le prophète, ça peut être bien. Voilà, petit triple. Ça fait plaisir. Et en plus, on attaque bien là, donc c'est encore mieux. Attends. Il y a un mec de l'autre côté du mur là. D'ailleurs, ils m'ont tous pas vu là. Ils passaient, ils m'ont pas vu. Ah, dommage! Je pense qu'il m'avait pas vu finalement. Si, il m'avait vu un peu. Hein. Du coin du regard, je t'avais vu, mon gars. Tu me la fais pas, moi. Allez, pointe-toi là, toi. Merci. Et là, on finit l'attaque. Oh non, putain. Oh, c'est bon. Ouf. J'allais dire non, c'est sérieux. Si, c'est passé. La petite victoire, voilà. 25-11, ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Et maintenant, ils quittent tous. Vous avez perdu, vous avez perdu. Vous assumez. Vous assumez. Bah, du coup, on va faire une dernière game au P06 dans un mode quelconque. Je ne sais pas quel mode. Je sais pas quel mode. P06, j'ai un peu joué ce matin. J'ai fait juste une game avec. Et c'était assez fun à jouer, je vous avouerai. Après, voilà, j'ai pas trop joué encore pour dire s'il est vraiment bien. Mais en tout cas, je le trouve un peu différent par rapport à la bêta. Parce qu'il était quand même assez difficile hein, niveau maniement durant la bêta. Ça a l'air d'être un peu différent là quand même. On va quand même changer de mode, mais je sais pas du tout dans quel mode on va aller. Peut-être retourner en MME, quoique. MME, c'est chiant vu que c'est que 75 et ça passe vraiment tellement vite quoi. T'as pas le temps de réagir, la partie est déjà finie. Là par contre, les cryptages j'en gagnais plein normalement. On était à une, allez, 3. 4, on en a gagné 3 déjà. Ah, presque 4, hein. Ça va vite. Ok. Hop. Excellent, 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 mon cher. On recrée du coup une autre classe avec bah, le P06 cette fois. Avec le petit camo magnifique que j'ai eu, un camo légendaire. Ça, il s'appelle comment déjà ce camo? C'est Tizen. Tizen ou Tizon, je sais pas trop comment on le dit. Qui est vraiment magnifique en légendaire. Du coup, bah, j'ai pas trop d'accessoires à part le viseur là. Donc, ouais, je vais rien mettre niveau accessoires. On va mettre le RK5 en secondaire. On sait jamais. Peut servir. D'ailleurs, je vais le mettre avec le camo zombie ADM là. Qui est pas mal. Et on va se mettre du coup un atout supplémentaire. Écoute. Ouais, on va mettre écoute. Bon, ça peut servir. On sait jamais. Ok, du coup niveau du mode de jeu, tenter une mêlée générale au P06? Vas-y, je suis fou, je pense que je vais me faire littéralement défoncer la gueule, mais j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter la chose. Sur... Oh, sur Redwood! Oh ouais, sur Redwood ça peut être vraiment sympa.
Allez, surtout que j'ai pas d'accessoires quoi. Je sais pas, jouer au moins, je sais pas, un processeur balistique, ça aurait peut-être déjà bien, tu vois. Mais là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et là, vous voyez du coup le camo monochrome que j'ai eu sur le Dracon. Vraiment, là, pour l'instant, les plus beaux camos que j'ai eu, c'est que sur les snipes. Hein. P06, Dracon, Locus, SVG, j'ai pas eu encore de beaux camos dessus. Mais ouais, principalement, c'est sur les snipers que j'ai eu les plus beaux camos. J'aimerais bien quand même en avoir sur des armes que j'utilise beaucoup, style AR-K7 et HVK30. Parce que voilà, certes, je joue quand même au sniper, mais bon, là, j'ai plus beaucoup joué au Locus. En tout cas, pour l'instant, après, je pense que quand on aura un peu plus avancé en jeu, je le reprendrai. Mais vu que je l'ai monté en or, là, je préfère me focaliser sur d'autres armes que j'ai pas encore monté en or, surtout les snipers, là, vu que c'est assez facile à monter quand même. Les snipers, c'est juste des one shot plutôt que des tirs dans la tête, donc ça va. Les pompes aussi avec l'Argus et le KRM. Bon, KRM, je l'ai en or. L'Argus, là, je suis en train de le monter, donc tout ça, ouais, c'est à faire. Allez, P06 sur Redwood, mêlée générale. J'espère qu'on va pas trop se faire défoncer. Allez. Ça fait plaisir pour une fois une mêlée générale qui n'est pas sur. Sur combine. C'est rare pour être précisé, tu vois. Bah, déjà, premier kill, c'est pas mal. Je sais pas s'il est mort le mec qui était là. Bon, par contre, là, pour faire des quickscopes, faut se lever tôt, hein. C'est pas très facile. Ouh, putain! Ah ouais, je pense qu'il est largement mieux que sur la bêta quand même le peso aussi. Je sais pas ce qui a changé hein, depuis, mais je me trouve mieux. Voilà, c'est ça le principal. Mais je sais pas en quoi. S'il y a personne. Ils sont plus encore au côté du bâtiment là. Ah ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien en plus le viseur de base, je le trouve pas mal. Je mettrais pas un viseur pour changer Recon ou des trucs comme ça, non, j'aime bien vraiment le viseur de base. Eh ouais, il est pas mal du tout, hein. Eh ouais! Moi j'aime bien! J'ai eu un titre, je sais pas pourquoi par contre, mais c'est quoi ce P06? C'est super! Ah ouais! J'adore! Putain, j'adore cette arme! Oh le kiff! C'est, je pense, le sniper que je vais monter là maintenant après le Locus. Au début je m'étais dit le Dracon, mais bon, le Dracon ce qui est chiant c'est qu'il faut aller en hardcore. Je déteste l'hardcore personnellement, donc ouais, monter le P06 peut-être avant, ça serait peut-être mieux. Tiens, prends ça toi. Ouais, c'est un kiff pour l'instant là. Ouais, parce que vraiment en fait je crois que l'impression que j'ai là c'est que. Allez, petit turn. C'est que sur la bêta, fallait vraiment très très précis avec le P06 pour tuer. Là, je pense qu'ils ont un peu amélioré déjà les dégâts. Ce qui nous permet de pas être obligé en fait de mettre une rafale à l'ennemi. Et la précision aussi, je pense que c'est mieux recentrer tous les rafales. Et ouais, ça nous aide vraiment à mieux jouer. Je pense que ça a un peu changé quand même. Hein, au niveau de la version bêta. Et ouais, je dis pas non, hein, je dis pas non. Ouais, on fait très peu d'inmarker et même tu vois la cadence quand même est assez élevée, donc quand tu fais un inmarker, t'as moyen de répliquer après. Et ça c'est cool aussi. Le mec là avec le Reaper, je crois que c'est ça hein, le spécialiste, c'est Reaper. Attends, je dis. Oui, c'est Reaper. Il fait que camper. Ah, il est pas là cette fois. Ah! Putain, il m'a mis deux balles à Kuda, toujours aussi cheaté. Oui, moi j'ai une petite hantise pour la Kuda, du coup je dis à chaque fois qu'elle est cheatée. Certains seront sûrement pas d'accord avec moi, peut-être parce qu'ils les teasent tout le temps les salauds. Mais moi je suis pas fan de la Kuda. Hein. Oh bah tiens, il est allé dans ma charge. Bon, c'est sympa, hein, ça me fait 2 kills au lieu d'un. Avec une seule rafale. Ah, une seule balle plutôt de tempête. Ah merde, là par contre, non. J'ai fait le con. Je vais peut-être pas la gagner la mêlée générale, mais au final j'aurais fait du kill. Parce que lui là, concrètement, avec sa. Je crois que c'est la Vesper qu'il a. Tu peux rien faire. Hein. Il campe et quand t'es face à lui, là. Ah non, trop de cadence. Hein. Trop de cadence pour moi. Ah ouais, il y a quand même une bonne cadence. Hein. Ça déconne pas. Putain, et lui. Ah ouais, mais laisse tomber, hein, sa Vesper trop puissante.
Ça avait bien commencé pourtant. Ah, ça avait bien commencé, là je me fais défoncer. Là en même temps c'était l'annihilateur donc je pouvais rien faire. À part me dire au revoir, je suis mort. Putain, il est encore en haut, Lot. Ah, mais c'est pas le même. Ah merde. Non, non, c'est pas le premier qui campe, c'est un autre, je crois, finalement. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, il y a toujours un mec en haut qui campe dans l'escalier, là. C'est chiant. Oh, je sais même pas comment je l'ai tué, là. What? Ouais, par contre, putain, à coup d'or. Eh bien, mais en général, jouer avec une arme comme ça, t'es clairement défavorisé, hein. Ils sont tous ceux à la mitraillette, fusil d'assaut. Toi, t'es au P06, quoi. C'est sûr que non. Je peux pas rivaliser si facilement. Et là, j'ai rêvé où il campait. Je crois qu'il campait, hein, le premier. Je crois que c'est lui qui campe, finalement. Ah, putain, mais je peux rien faire face à des mecs comme ça, la coup d'œil et tout. C'est injouable. 13-13. Ça avait bien commencé pourtant, quoi, mais là, je peux rien faire. Hop. Ah, il a esquivé! Je sais pas où il est, du coup, je sais pas où il est. Ah, il est dans l'eau, certes, mais où? Oh non, je l'ai paumé le mec. Je l'ai paumé là. Je suis même plus dans leur bâtiment là, à camper. Ça me dégoûte un peu. Hein. Oh, mais la mêlée générale cette année sur ce jeu, c'est pas l'apogée. Hein. Clairement, elle était largement mieux sur AW ou sur Dot Call of. Moi, j'aime pas trop. Après c'est le début du jeu, peut-être que mon avis changera, mais il y a énormément de camps en mêlée générale sur ce jeu, c'est horrible. Ils ont trouvé leur position, après ils vont pas bouger de la game. Et va toujours après si tu veux les déloger quoi, hein. C'est pas gagné. Parce que là vous voyez le mec qui est en haut, j'en suis sûr qu'il y a encore. Oh c'est pas le même, mais il y en a toujours un. Putain, mais arrêtez de camper sérieux, c'est moi qui devrais camper avec mon P06, pas vous. Oh là là, eh. Laisse tomber. Bon, je finis du coup 14-15. Ouais, j'avais bien commencé, c'est dommage. Et c'est lui qui campait, hein, je suis sûr. T'as pas deux mecs avec la même armure et la même arme, c'est pas possible. Bah, ça me dégoûte un peu, hein, cette camp. Hein. C'est pas bien, les mecs. Mais c'était pas mal, quand même. Un bon début de partie, après, on laisse tomber. Ils ont trop campé, c'était impossible. Impossible. Ah, j'aurais aimé quand même vous proposer un meilleur gameplay. Moi qui aime bien, tu vois, je suis un peu perfectionniste. Ouais, j'aurais préféré faire un meilleur truc quand même. Ouais, c'était pas trop possible. Hein. Entre lui, le campeur et d'autres là qui mettaient une balle avec leurs armes, c'est pas trop possible. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez. Du coup, c'est quoi le titre là? J'ai envie de voir pourquoi j'ai gagné un titre. Peut-être que c'est un titre super rare là. Ouais, super, j'ai réussi un défi, je me suis pas rendu compte. Tuer 200 ennemis détectés par empreinte. Ok. Ouais, bon, normal quoi. Rien de très transcendant comme truc. Comme carte de visite. Bon, au revoir les campeurs et j'espère plus te revoir, The Nico Rico. Là, t'as plus un youtubeur le mec. J'espère que tu proposes pas des gameplays comme ça où tu campes. Hein. Sinon, arrête. Arrête YouTube. Voilà. Sinon du coup je suis à combien, je regarde si j'ai avancé un peu mes défis sur le P06 et on pourra s'arrêter là. Ah ça va, je suis à 14 one shot. 14 one shot et du coup normalement là j'ai pro. Ah non c'est silencieux. Ok bah du coup j'espère que cette vidéo je suis un fou au sniper ou je sais plus comment je l'ai intitulé ou comment je vais l'intituler parce que du coup je l'ai pas encore intitulé. Mais j'avais déjà, c'est je crois le sniper fou hein, que je vais intituler la vidéo, elle vous a plu. En tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve du coup prochainement pour d'autres vidéos sur Black Ops 3. Allez bye tout le monde. Oh yeah. We'll be right back.